Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un orme de Chine que j'ai trouvé récemment dans une jardinerie et vous montrer un peu le cas de ce qu'on peut trouver dans toutes les jardineries, l'état des arbres. C'est un petit. Presque, on pourrait presque, vous voyez, on voit même le prix, on pourrait presque dire qu'une hauteur de presque un mamet. Un tout petit pot, regardez, je l'ai trouvé pour 8 euros. 8 euros, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, on va lui changer sa poterie, le mettre dans un pot un tout petit peu plus grand, à peu près dans la même forme, un tout petit peu plus grand. Il a l'air en bonne santé quand même. On voit des jeunes, il vient tout juste de. Il commence à repartir. On voit bien qu'il commence à être pas trop mal. Mais le substrat est vraiment pas terrible. Oui, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Regardez, vous voyez là, les espèces de taches blanches. Ça, on en voit souvent dans les jardineries. Ou même à la maison. Si vous voyez ça sur votre arbre, c'est parce que c'est arrosé à l'eau du robinet. C'est le chlore qui fait ça. Donc la petite astuce, c'est quand vous arrosez à l'eau du robinet, vous mettez l'eau à décanter pendant 12 heures, 24 heures, histoire que le chlore s'efface, s'en aille de l'eau. Sinon, vous aurez toujours un aspect blanc comme ça sur le tronc et ça fait pas joli, quoi. Donc vous voyez, on voit l'état du substrat, c'est vraiment. Il est trop détrempé en plus, il est colmaté. Donc voilà. Je vais le mettre dans ce type de petite poterie que j'avais trouvé sur les vide-greniers. On en trouve souvent sur les vide-greniers. Allez, c'est parti. On va voir un peu l'état des racines. Vous voyez bien là, c'est presque de la boue. Donc voilà, j'en ai trouvé plusieurs. J'en ai trouvé plusieurs là, des ormes de Chine. Sûrement que la jardinerie était en train de faire de la place. Donc je ferai plusieurs formats de vidéos. L'autre que j'ai trouvé, il est un peu plus grand, un peu plus costaud. Mais il était vraiment abordable. J'ai dû l'avoir pour 12 euros. Donc ce qui est vraiment pas cher. On voit, il a un tronc qui n'est pas très joli quand même. C'est de l'industriel, hein. Et bon, on va essayer d'en faire quelque chose. Il a une belle coiffe. On pourrait peut-être arriver à faire quelque chose de bien. Sans chercher à le faire grandir trop, mais lui garder sa taille. Il reste en format mamé. Voilà, il est vraiment de substrat. Peut-être trouver un vestige. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire quand vous venez de l'avoir à cette période. Là, les ormes de Chine, vous pouvez les rempoter. Le tronc se. Ah, on vient de voir, le tronc se divise en deux en fait. On voit le tronc qui s'est divisé en deux. La partie. Voilà. Je pense que celle-ci, elle n'a pas trop son utilité. Cette racine. On voit un peu, elle n'a pas trop son utilité. Elle part de vraiment très haut. Donc je pense que elle va partir. Là, celle-ci. Je pense que celle-ci.
jusqu'où elle va. Là, vous voyez, la longueur, elle est ici. Mais je vais... Oui, on pourrait presque l'enlever. Si on démêle un peu, on pourrait presque l'enlever car on voit le pain. Le pain incinéré est presque en deux. Une grosse motte ici. Donc ce qui pourrait. Donc celle-ci, je pense pas qu'elle doit alimenter. Et on voit, il n'y a pas beaucoup de radicelles. Hein. C'est surtout presque un grand pivot. Ça fait presque un grand pivot et quelques radicelles dessus. Donc je pense que on peut la supprimer. Voilà, on se retrouve avec quelque chose dans ce style-là. Voilà, je ne vais pas chercher à tailler beaucoup plus. Voilà, je pense que c'est suffisant. Voilà. Je vais le mettre dans ce type de poterie. Voilà, on n'oublie pas le grillage. Je vais vous montrer comment je fixe mes câbles. Tout simplement. Celui-ci est un peu gros, le fin il est du 2 mm, on va peut-être prendre du 1,5 mm. Donc vous voyez, moi ce que je fais, je coupe un bout et pour avoir des bons roues. Ce que vous pouvez faire, vous prenez un stylo, hop, vous lui faites faire une boucle, ce qui vous donne ça. Et vous repliez comme ça. Et ensuite, voilà, on voit là. On prend un stylo avec un diamètre assez... Oui, ça c'est un feutre. Simplement une boucle, hein, il n'y a pas besoin de faire les deux. C'est simplement pour tenir la grille. On n'est pas encore des maîtres japonais. Après, rien ne vous empêche d'essayer de faire le même principe que sur les autres. Et hop, et en dessous, on replie. Voilà. Moi en gris, j'ai trouvé ces types de gris, je les achète par paquet. On les trouve, celui-ci, c'est des paquets sur les jardins de Moji. On a un très bon site sur les arbres. Voilà, sans faire de placement, mais c'est là où j'ai acheté tout mon câble et tout, il y a déjà un petit moment. Donc voilà. On va lui mettre là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié. Si je mets pas ce qu'il faut pour attacher, on va pas aller bien loin. Il faut bien qu'il reste attaché dans son pot. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. On va revider. Quand vous voulez placer votre câble, vous pouvez vous faire un petit gabarit, vous placez. Vous pouvez placer votre câble sur le dessus, comme ça, et vous bloquez avec vos deux doigts pour avoir la largeur. Hop. Et comme ça, vous avez directement
la forme. Et voilà. Hop, on reprend. Donc ça va, le blanc sur le tronc, ça va s'en aller avec le temps, mais j'attendrai qu'il soit bien fixé dans son pot, qu'il aura bien pris sa place. Et avec une petite brosse métallique et de l'eau, ça s'en ira avec le temps. Donc je pense que je vais le passer dans le trou, les fameux trous qu'il y a dans le... Voilà. Un peu de levure de câble. La pince, petite pince pour serrer. Voilà. Quand vous l'avez fixé, vous pouvez lui mettre un petit coup de pince en dessous pour le... Ça va resserrer un tout petit peu le câble, et comme ça, le but c'est que l'arbre, vous puissiez porter le pot en même temps que l'arbre. Pour les petits sujets, bien sûr. Pour des grands arbres, ça va être compliqué. Donc voilà. On va arroser un petit peu. On finira après en extérieur. Voilà, le mélange de substrat, c'est le même que j'utilise. Il n'y a que là, récemment, j'ai changé un petit peu. J'ai rajouté de l'écorce de pin compostée. Vu que le substrat me sert à rempoter quasiment l'essentiel de tous mes arbres, donc... J'ai juste fait un petit apport supplémentaire dans le substrat que j'ai fait. Voilà, on bouge surtout bien les bulles d'air. N'hésite pas à appuyer un petit peu. Et voilà. Me voilà dans une toute nouvelle poterie. Une poterie en biscuit que j'avais trouvé sur les vides-greniers. Pensez-y, ça. Allez faire un tour dans les vides-greniers. On trouve parfois des belles choses. Ça, c'est des pots que la dame où je l'ai acheté, elle les avait depuis le début des années 80. Donc, c'est super. Voilà. On n'y pense pas toujours, mais au lieu d'acheter en ligne, des fois, les vides-greniers, c'est pratique. Donc voilà, il va aller en arrosage et puis il va être reparti pour un petit moment. Donc je touche pas à la partie haute, j'ai rien taillé. On va pas le brusquer en plusieurs fois. Là j'ai simplement cherché à lui faire un peu plus de place dans son pot.
et lui changer son substrat qui était quand même assez en mauvais état. Donc voilà, je vous remercie tous pour vos abonnements, c'est super gentil. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Je mettrai quelques liens, notamment sur peut-être le matériel que j'ai utilisé, là, les grilles. Je mettrai en descriptif. Les vidéos sur les engrais sont en cours. Donc des vidéos sur les engrais que j'utilise vont bientôt arriver. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci.